pas toujours facile, surtout quand ils sont en saison de monte. Ils ont aussi un petit peu de temps en temps du sang chaud dans les veines, comme on dit. Voilà. Et il faut savoir que le trait des nord, lui, c'est du sang froid dans les veines. Le boulonnais, c'est quand même le super cheval, le sang chaud du boulonnais. C'est le colosse de marbre blanc, comme on les appelle. Donc, Émir, il n'a pas trop envie de trotter. Il est peut-être incommodé par la chaleur. Merci à vous. Et nous avons maintenant, je pense que, applaudissez-les, parce que nous avons la parade qui démarre avec les attelages d'abord. On a un attelage de boulonnais qui arrive. Oui. Patrick, tu peux avancer. Donc Patrick, il y a deux chevaux boulonnais, des alezans, ils ne sont pas tous blancs, donc c'est des alezans, train lavé, dans une voiture d'attelage. Et si on a une voiture d'attelage aujourd'hui, c'est parce que Patrick, il a des soucis de mobilité. Il préfère mener ses boulonnais, nous les montrer en attelage, dans une voiture d'attelage de promenade. Monsieur Patrick Carpentier, son épouse, et tous les petits. Après, nous avons également des boulonnais. Plutôt des apparaux boulonnais. Regardez, ils sont un petit peu plus fins. Ils sont également menés par M. Marcilly Philippe, donc dans une belle voiture de balade. Et on a Johanna qui balade également à pied son boulonnais. Arrive maintenant une troupe un petit peu de toutes les robes. On a du gris, de l'alezan, du blanc, du gris pommé. C'est la troupe du Bon Coin qui appartient à Christophe Debruyne, suivi derrière également de Christophe Debruyne, mené par Christophe et par sa fille. Alors vous voyez, 2, 4, 6, 6 chevaux. Iris, tire à gauche un petit peu, parce que tu vas coincer ton père dans les barrières. Merci Iris. Ici nous avons des boulonnais qui nous viennent des Flandres. Ils nous viennent de Rexpoul. C'est Ludo Kleis, avec ses 4 boulonnais des Flandres, avec une suitée, 2 suitées également. Et Ludo, il nous a, il revient de la boucle très près de Bretagne. Il a fait l'attraction ses 2 chevaux sur une plage de Bretagne où il a tiré le goémon de la plage. Et voilà, nous avons une super bande de 7 boulonnais menés par les filles Méquignon qui nous viennent de Terouanne. Philippe Méquignon avec des suitées suivies de Audrey et de sa fille. Donc, je pense qu'on peut les admirer et les applaudir, toilettés, queue fraissée, les gens en tenue. Et voilà, maintenant arrivent les traits du Nord. Le colosse lourd, la force tranquille qui nous vient des Flandres. Nous avons le Griot qui appartient également à Nice, à Sébastien Plagel. Nous avons Martis qui appartient à Grégory et Laetitia de Laurence qui nous viennent de Serpy. Donc, nous avons un trio des Flandres. Nous avons ici l'élevage Bombardier. Nous avons Alexis également de Raquet. Nous avons ici en 2 qui nous viennent d'Arnec, Michel Top. On en a également ici qui nous viennent de Guivelde. Vous connaissez le petit chapeau, le foulard. Je pense que vous connaissez le monsieur qui fait ses asperges. Il est suivi par Christian Schramm. Donc Christian, il a ses chevaux là-dedans. Et il y a aussi Marc Desois qui a mis une jument, je pense, c'est ça, Poulich, également dans la troupe. Nous avons aussi, un peu plus loin, qui nous arrive, l'élevage du Long Courtier, le collard du Long Courtier, qui nous vient de Courtière. Ils ont fait une bande de 5 chevaux.
Allez, ouais, ça se fait.